Bienvenue au village de Moigné, les amis. Donc là, on est au centre hospitalier de Moigné. Vous voyez. C'est parti. Je vais m'immerger. Ça, c'est les vélos. Donc l'hôpital de Moigné. L'hôpital est là, de Moigné. En fait, à la base, je suis venu pour faire autre chose et je dois faire autre chose. Donc ici, c'est que des bidonvilles. Hein. Des bidonvilles, enfin les villageois qui se mélangent avec les bidonvilles. Donc, bon, désolé parce que des fois ça capte pas. Hein. Ça va, donc ici, Moigné côté vers l'hôpital. D'accord. Côté Moigné vers l'hôpital. Donc voilà le terrain de foot. Oh, un peu d'air. Un peu d'air. Ville de Moigné.
Qui c'est qui est de Djoumanié là, les amis? Il y a des gens qui habitent à Djoumanié ici là. Bon, là, je suis à... dans les hauteurs de Djoumanié. Voilà, je vais prendre, je vais monter par là. On s'immerge. Les déchets. Bon, j'ai trouvé des coupables ici à Djoumanié. D'accord. Ça doit faire je sais pas combien de temps que c'est là, mais ça fait un moment. Donc vous voyez ce qui est dommage ici à Mayotte quand même. Et je vous demande de partager le live pour que les gens de Mamoudzou soient touchés, parce que voilà, c'est eux qui débloquent des budgets pharaonique, d'accord, pour entretenir les villes. Il serait quand même un petit peu plus important de s'engager sur la propriété. C'est une chose. Ben là, je vais vous montrer encore. Restez prêts à être choqués. Hein. Restez prêts à être choqués. Bon, ici. Des fois, on a du réseau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Comment vous voulez boire l'eau quand la pluie va amener, tout va descendre à la mer, etc. Comment on va jamais avancer comme ça, c'est pas possible. C'est des chiens. Et rencontre. Ici le réseau, désolé parce que les réseaux passent pas bien ici, un coup ça capte, un coup ça capte pas, non c'est pas parfait quoi, c'est pas parfait. Alors. Ça construit.
Ben lui, ça, c'est un truc de l'État. L'immersion. Frigo, bah ça doit faire allez maximum un petit 3 ans là. Hein? C'est comme ça ici. Les épaves sont plus vieux que nous, plus vieilles que certains enfants. Nous on les trouve, nos enfants les trouvent. C'est ça les déchets. Hein? Alors, donc là on va revenir sur la route principale. Je sais pas si c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci la route principale. Alors, ah. Non, c'est pas la route principale, c'est la route pour monter. Là, on va passer vers le collège Bakarkout. La mosquée, il y a une mosquée ici. Chez nous, il y a encore... Bien sûr, une réserve naturelle encore. Hein. Il y a tout ça. Et c'est dommage. Dommage. C'est pas ça. De l'ombre. Punaise. Collège de Dzoumouni Bakarkout. Il est juste en face de vous, à gauche. Qui c'est qui a étudié ici à Dzoumouni? Votre collège est là. Thank you.
collégiens l'avenir de Mayotte. Collège Bakar Kout. Ah, c'est la gendarmerie, je crois. C'est quoi? Ah, c'est le lycée, je crois. La sortie d'école. Putain, le collège il est grand, hein. Para o Nambe, acho que sim, ó. Je vais vous montrer un truc qui va vous choquer. Ceux qui étaient à Mayotte, qui sont partis de Mayotte. À Dzoumouni, ici, il y a un endroit stratégique pour passer, pour aller dans le nord. D'accord? C'est le pont. Alors, je vais vous montrer et puis je vous expliquerai pourquoi. Vous allez vite comprendre, hein, pourquoi Mayotte est dans des problèmes énormes, quoi. On est obligé de souffrir chez nous, etc. C'est vraiment inadmissible. Inadmissible. C'est pas possible. Vraiment pas possible. Ces connards-là, ils sont en train de piller, mais à fond. Ils pillent, ils volent, mais à fond. À fond. Et c'est le peuple qui ramasse. C'est le peuple qui ramasse. Donc là, on est carrefour stratégique. Je vais vous montrer le pont stratégique. Le pont stratégique, c'est celui-là. Si tu fais sauter le pont, il n'y a plus de transit routier ici. Donc, je vous montre le pont super dangereux. Alors, je vais vous montrer. Attendez, vous allez voir. Hein. Restez là et je vous demande de partager le live. Je vais vous demander de partager le live. Un pont super stratégique et très dangereux. Très, très dangereux, d'accord? Partagez le live. Vous voyez, à Mayotte, le problème qu'il y a, c'est que... Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de gens qui réfléchissent, d'accord? Ici, c'est un pont très dangereux. Et les gens, ils sont obligés de passer là. Vous voyez, il y a des gens qui passent. Les voitures passent aussi, il n'y a pas de passage piéton. C'est-à-dire que s'il y a un camion qui passe dessus, il y en a un qui se fait écraser, il est mort. Alors comment? Expliquez-moi, hein, avec la place qu'il y a ici et là-bas, est-ce qu'on ne peut pas mettre un deuxième pont ici pour désengorger? Et un passage piéton au milieu. Un petit pont ici qui va rejoindre comme ça, voilà, vers la droite. Je comprends pas. Ça fait des années et des années. Tu vois, là, je traverse là, mais c'est dangereux. La voiture passe à côté. Et s'il y a un camion qui passe là, il m'écrase. Il n'y a pas de passage piéton. Pas de passage piéton. On est en France, hein. Excusez-moi du terme, mais on est en France. On est en France ici. Tout va bien, hein. Tout va bien. Chacun ferme sa gueule. Les Mahorais souffrent, en fait. Chacun ferme sa gueule, les Mahorais souffrent. Pas de passage piéton, c'est le bordel. Je trouve ça... Oh, my gay. Donc, la station totale de Zoumogné. Ça, par contre, des stations pour brasser des sous, ça, ils arrangent bien. C'est joli, hein, tu viens payer, tu viens faire ton plein, voilà, super. Mais là, le gros point, le gros problème qu'il y a là, c'est là. C'est là. Regardez la place qu'il y a ici, là. La place qu'il y a. On peut mettre un deuxième pont ici, ou élargir le pont, tout simplement. Mettre un passage piéton à côté, et puis les camions et les voitures passent. D'accord? Et là, moi, je comprends pas. Ça fait des années. Ça fait des années que... Même ceux qui sont en France, ils connaissent ça. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, ça, c'est ça qui me choque. Quand je suis arrivé ici... la première chose que j'ai remarqué, que c'est le même pont il y a 17 ans. C'est le même pont quand j'étais ici. Ils ont changé juste le bois. Et là, même le bois, tu vois, regarde, le bois, il commence à être... c'est pas possible. Expliquez-moi, les amis, expliquez-moi. Je suis fou ou j'ai raison, là? Parce que c'est dangereux de passer là. C'est dangereux de passer en piéton, là. Il n'y a pas de place de piéton ici. Regardez la voiture, comment elle roule. Vous voyez la voiture, comment elle roule alors que je suis dessus? Ben, c'est dingue. C'est fou. Ah, moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Je suis sûr, il y a des gens qui sont morts, là. Des gens qui sont morts écrasés. Putain, les gens... Vous savez, je vais vous dire un truc. Nos responsables sont dangereux. Nos responsables sont dangereux à Mayotte. Et ils n'en ont rien à foutre. Voilà, c'est ça le mot, en fait. Ils n'en ont rien à foutre. Et je le dis, hein, parce que là, c'est... Comment vous dire ça? Là, c'est une tombe. C'est une tombe. Tu peux mourir là-dedans, là. C'est complètement aberrant. C'est pas possible. C'est pas possible, ces gens-là, là, quand même. C'est pas possible. Parce que c'est les Mahorais qui... C'est les Mahorais qui souffrent. C'est les Mahorais qui encaissent tout ça, hein. C'est pas une autre personne, ce sont les Mahorais. Donc, voilà. La ville de Zoumogné. Faut que je m'achète à boire. Je suis déçu, hein. Déçu. Donc.
très déçu. Enfin, de toute façon, depuis mon arrivée, en vue de certaines choses, je suis dégoûté, quoi. Regardez. Regardez nos déchets. Regardez nos déchets où ils sont. Regardez. Hey, Wabi Soyo! Donc, les amis, je vous ai montré. On a fini de filmer ici. On a fini de filmer ici. Je vous laisse avec ce constat. On se retrouvera plus tard, Inch'Allah. Bonne journée à vous, que Dieu vous garde, Inch'Allah. Que Dieu vous protège avec votre famille, Inch'Allah. Et voilà. Vous aurez l'occasion de découvrir notre village, d'accord? Là, je me suis immergé ici. Immersion dans une autre ville, je ne sais pas. Je n'ai pas de ville de prévue, mais je fais en fonction. Donc voilà. Bon après-midi de Djouanier. Et bonne journée de Djouanier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.